Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve dans le deuxième vlog d'été. Parce que, oh, ça commence très bien. Parce qu'en fait, tout simplement, nous sommes partis de Cannes ce matin et nous sommes arrivés en Italie à Sanremo. Et du coup, ben voilà, je vous avais dit que Cannes, ça en était trop, mais que du coup, au prochain step, ce serait un deuxième vlog. Donc, on va faire pour chaque step un vlog. Et là, on est en Italie, donc ce sera le vlog d'Italie, je pense. Et s'il est trop long, je couperai en fonction des villes parce qu'on compte rester au moins une semaine en Italie. Donc on va faire plein de villes pour vous tenir informés. Malheureusement, je ne vous ai pas emmené avec moi parce que je finis plus ce moment-là. Mais je suis allée chez Céline me prendre cette paire de lunettes de soleil que je voulais trop depuis un moment. Du coup, je trouve parce qu'elles sont trop belles. Et mon papa m'a offert cette robe. Attendez, je vous montre dans le miroir. Elle est trop belle, j'adore. Je l'adore, elle est un peu... Genre, elle n'est pas trop longue. Elle a des épaulettes, elle est vraiment trop belle. J'adore. Et aussi, je vous ai pas dit, mais je suis allée me faire faire les ongles. Regardez comme c'est beau. Je vous mettrai juste ici l'adresse dans laquelle je suis allée. Ils sont top, vraiment. Ils font des ongles de dingue. Par contre, c'était un peu long. D'habitude, je reste une heure. Là, c'était 2 heures. Et ça va coûter 45 euros. De base, ça coûte 45 euros. Si t'as des ongles cassés, ça coûte plus cher. Un peu plus cher, mais c'est trop beau. Genre, j'adore. Vraiment. Donc là, je vais me maquiller. Et ensuite, on va aller en ville. Nous venons un bavoir. C'est ça qu'on va se lâcher. Babou. Coucou tout le monde, du coup je vous ai pas tenu au courant d'hier après le restaurant, on n'a rien fait particulier, on est juste rentré à la maison, enfin au bateau au port. Ce matin on a pris la mer pour aller à Alassio. J'ai pas trop filmé parce que c'était un peu agité, donc il n'y a rien de beau, genre, enfin voilà, en plus j'ai dormi, donc voilà. Et du coup là nous sommes au deuxième step en Italie, nous sommes bien arrivés à Alassio. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer à l'avant du bateau, c'est trop beau. Là on n'est pas encore en centre-ville, mais je compte vous montrer évidemment. C'est vraiment trop joli, moi c'est ma ville préférée d'Italie. Après je les ai pas toutes faites encore, mais j'adore. Et vraiment la vue est dingue, je vous montre ça de suite. Du coup on est arrivé au port, et vous voyez c'est écrit Alassio juste ici, c'est dingue. C'est trop beau. Et pour aller en centre-ville, il faut monter par là-bas, je crois. Ou là-bas, je sais plus vraiment. Mais je crois que mon père a la flemme de marcher. Donc en fait, au final, on va appeler un taxi. Ça va être super pratique. Et tant pis, on fera pas d'exercice. C'est pas grave. De toute façon, les vacances, c'est pas assez pour faire d'exercice. Bon, vaut mieux. Hein. Si vous en faites, faites-en pour moi. Mais du coup, voilà. Là, je vais aller prendre la douche. Je vais aller me préparer. Parce que du coup, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on n'est pas en mer, on se prépare le plus tard possible. Et vers 17h, quand il fait moins chaud, on sort en ville et tout ça, tout ça. Et je sors au restaurant. Du coup, j'ai mis mon foulard Dior. Ça, c'est un ancien top Zara, ancienne collection. Et là, c'est le short en soi que je vous ai déjà mis sur 21 Buttons. Et là, on attend le taxi. On mange une glace tous ensemble. Et après, on va manger. Tout à fait raisonnable. Du coup, nous sommes partis du resto. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé parce qu'on est en Italie, on a mangé des pizzas. Moi j'ai pris un calzone, elle une pizza margarita et mes parents deux pizzas aussi. J'ai bu un cappuccino et là on rentre au bord, on rentre en marchant. Même si c'est un peu long, bon, ça fait faire de l'exercice. Alors, comment vous expliquer? Vous allez être pris au dépourvu dans cette fin de vidéo. Parce que, tout simplement, en fait, je vais vous expliquer. J'avais fait le premier montage, donc du premier step
de mes vacances d'été. Sauf qu'en fait, il n'y avait aucun moyen à chaque fois dans les ports, la wifi ne fonctionnait pas pour pouvoir upload les vidéos donc de mon ordinateur sur YouTube. C'était trop long, ça marchait pas, souvent ça marchait pas et carrément mon ordinateur ne se connectait pas à la wifi. Donc en fait, j'avais commencé à filmer le deuxième step. Sauf que je me suis dit, je vais pas la publier les vidéos dans 6 ans. Donc autant arrêter de filmer. Et donc en fait, j'ai arrêté de filmer à ce moment-là. Et du coup, après, tout simplement, nous nous sommes arrêtés à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et après, nous sommes rentrés simplement à Marseille pour la fin de ces vacances. J'ai passé des vacances géniales. J'espère que vous aussi, vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, comme vous pouvez le voir, la vidéo a été publiée un long moment après les vacances. Parce qu'on est le 7, si je me trompe pas, le 7 septembre. Et donc, ben voilà, on était plutôt en mi-août quand j'étais en train de filmer. Donc, comme vous avez vu, je suis très fatiguée. J'ai repris l'école à l'IUT, en licence, etc. Mais en tout cas, je vous en dis pas plus parce qu'il y a plein de vidéos qui attendent sur ma nouvelle vie. Il n'y a rien de fou, hein. Mais c'est juste les changements de 2020 à 2021, quoi. Je pense que vous aimerez que je vous partage ça. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ben, c'est fait un plaisir de vous la filmer. Finalement, j'ai regretté de ne pas avoir pu filmer plus, enfin, ne pas avoir baissé les bras et j'aurais dû continuer à filmer. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que le peu que vous aurez vu, ben, du step, enfin, des arrêts que j'ai fait en Italie vous auront plu, pardon. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bisous.